Yo, salut à tous et à toutes, c'est Tommy, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Winter Wonderland qui va arriver normalement le 12 décembre. Mais évidemment, je voulais faire un petit point avant. Pour ceux qui n'étaient pas l'année dernière et pour remémorer un peu tout ça à ceux de l'année dernière aussi. Donc cette année, on aura, pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, on aura sûrement le dernier mode. Donc le dernier mode qui constituait à jouer avec May à faire des batailles de boules de neige. Donc là, on va revoir un petit peu le trailer, parce que le trailer contenait pas mal de choses intéressantes, dont les skins, comme vous pouvez le voir. Là, il y a pas mal de skins, l'année dernière, il y en avait pas mal. Sauf que cette année, on va sûrement avoir encore un repompé comme l'année dernière. On va avoir les skins de l'année dernière, 7-8 skins, comme à chaque event, comme ils ont fait, Summer Games, Halloween, ils ont remis 7 à 8 skins, c'est pas énorme, mais voilà, c'est une petite addition en plus à la chose. Évidemment, des nouvelles highlights, on espère. Il y avait celle de voilà, de Fatal et donc de Symmetra qu'on a pu voir. Et évidemment, cumulé à tout ça, deux nouvelles maps, deux maps revisitées pour ce Noël. Donc, il y avait Anamora qui était pas ouf et Kings Row qui avait été revisité de façon à faire une fabrique de jouets. Quand on arrivait sur la fin, toute la tuyauterie, etc., tous les rails dans l'usine étaient transformés en fabrique de jeux. Donc, on va passer directement sur le gameplay du mode. Voilà, Snowball Fight avec que des May. Donc on va se regarder une game pour se remémorer un petit peu ce que ça donne. Donc qu'est-ce que c'était le Snowball Fight? Le Snowball Fight, en gros, c'était la possibilité de one-shot les personnes. Déjà, c'était un truc énorme. Voilà, on va se mettre tranquille comme ça. Donc la possibilité de one-shot les personnes avec juste un clic droit et une seule munition. Comment on faisait pour régénérer les munitions? En gros, il fallait pouvoir recharger avec les blocs de neige au sol pour recharger sa seule et unique munition qu'on avait. Donc, 6v6, toujours sur cette map, Echo Point Antarctica, et avec une seule munition comme vous pouvez le voir en bas à droite. Donc le principe, évidemment, ça va être de ne pas rater ses tirs, parce que là, ça va être une seule munition, et après, vous êtes un peu dans le caca. Et la seule façon de recharger, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits blocs de neige en bas pour recharger la boule de neige que vous avez vue. Donc tout le principe est là-dessus. Il y a trois succès. Il y a un succès, alors, 3 ou 4 succès, je ne sais plus trop, de tête. Il y a un succès qui va s'agir de tuer une May pendant qu'elle recharge. Donc là, par exemple, s'il se fait tuer, voilà, c'est un succès. Il y a un succès, c'est tuer une May adverse avec 25 mètres de distance. Donc en gros, faire un tir très longue distance. Je crois qu'il y a tué 3 May d'affilée ou 4 May, un truc comme ça dans l'équipe adverse. Donc aux limites, les faire toute la team quoi. Mais vous allez vous dire, 4 kills d'un seul coup, ça fait beaucoup. Alors oui, quand on part sur le principe d'avoir une seule munition, c'est beaucoup. Mais il y a une possibilité de se faire beaucoup de personnes. C'est que, évidemment, on est dans Overwatch, il y a des ultis. Donc l'ulti de May est ici est transformé, est changé carrément. C'est plus le snowball qu'on connaît. C'est la mitraillette en gros. Vous allez passer sous ulti et vous allez pouvoir mitrailler totalement la zone avec votre clic droit. Donc en gros, pendant, je sais pas, je dis 5 à 10 secondes, vous allez pouvoir faire des clics droits de folie et donc être OP quoi, au cheaté de ouf. Donc évidemment, le principe de ce succès, tuer 4 personnes, ça sera ça. C'est essayer de les tuer. Bon, déjà peut-être 1 ou 2 avec votre clic droit et essayer d'en avoir d'autres avec votre ulti. Et il y en a un autre, je sais plus c'est quoi exactement, je sais plus s'il y en a 3 ou 4, en tout cas les 3 sont là au moins, et voilà. Donc le principe en lui-même est simple, les succès paraissent simples, mais ça va très vite en fait. Moi en tout cas l'année dernière ça m'avait un peu pompé, mais cette année je vais essayer de les faire. Ce mode en fait c'est one shot, voilà, il faut faire attention, ça paraît simple, mais voilà. Quand on recharge, on est fixe, on est totalement fixe, on ne peut pas, on est totalement vulnérable, on peut cancel, heureusement, on peut cancel sa recharge de neige, mais le principe en lui-même, voilà, c'est essayer de vraiment faire un one shot, ne pas rater une seule cible, parce que voilà, celui-là il était beau, mais il faut vraiment pas se rater. Voilà.
Ça, c'était par exemple l'un des grands duels. Alors, il a tiré, il aurait pas dû. L'un des grands duels qui se passe la plupart du temps, c'est que l'ennemi va shooter, vous allez shooter, aucun de vous deux n'a de munitions, et vous allez devoir trouver un bloc de neige. La plupart du temps, vous tombez nez à nez avec ce bloc de neige, donc c'est le premier qui va recharger au plus vite, qui va gagner le fight normalement. Évidemment, si vous visez bien. Donc, évidemment, dans les atouts, on garde toujours ce Ice Wall et ce Ice Block qui vont servir parce que le Ice Block, finalement, il y a quand même un cooldown très très bas pour. Voilà, là, il y a un outil qui a été activé, on a entendu la mail, voilà, elle arrive en mitraillant, tac 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 tac. C'est assez énorme. Bon, là, il a eu de la grosse moulin, il était nul à chier en face, il a réussi à mourir. Et donc là, on va le voir, peut-être pas maintenant, claquer son outil, ça me. Je sais plus. Donc. Ice Block, Ice Wall, des très 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 bons atouts ici, hein, puisque l'Ice Block, comme je le disais, permet quand même de bloquer un tir si vous êtes acculé dans un coin, genre avec un ulti, s'il y a un mec avec un ulti, hop, Ice Block ou Ice Wall dans un coin, et vous êtes sûr d'y arriver. Voilà, là c'est le spam général. Il n'y a pas de temps, donc, de ce que je me rappelle, il y avait 5 à 10 secondes. J'aurais dit 5 secondes, mais 10 secondes ça me paraît énorme. Donc un Ice Block et un Ice Wall qui sont quand même très 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 décisifs et qui peuvent être utiles je pense pour la suite des fights. Donc là sur les ennemis on va les voir, hein, leur gun va être rouge, c'est quand il aura une munition dedans. Parce que quand il est déchargé, il ne brille plus. On va le voir, ça c'est une façon de survivre un petit peu plus. C'est aussi de savoir quand l'ennemi, voilà, celui-là il brillait et quand il a tiré il brillait plus. Donc c'est une façon de le savoir aussi, c'est très très pratique quand vous allez duel à un adversaire, savoir s'il a une munition ou pas. Parce que sinon c'est la panique totale si vous savez pas s'il a une munition. Donc voilà, c'est une rétrospective on va dire très rapide du Winter Wonderland 2016. Donc 2017, je suppose que au même titre que Halloween et... Halloween et Summer Games, pardon, vont être à peu près pareil. Je pense pas qu'il y ait de mode compétitif sur ce mode de jeu. Ça serait un peu too much, je pense. Enfin, un peu what the fuck. Je vois pas de la compétition là-dessus. C'est un peu comme faire de la compétition sur du 6v6, comme ils avaient mis à un moment donné Team Deathmatch, mais en 6v6. Un peu what the fuck. Donc là, ça serait un peu pareil. Du compétitif là-dessus, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Ça pourrait être très intéressant d'avoir des points de compétition là-dessus. Pourquoi pas. Moi, pour l'instant, je suis pas trop pour, mais on verra ce qu'ils nous fourniront. Donc voilà, nous on va s'arrêter là évidemment. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, à bientôt, bye bye.